Dieu, décroche. David ? David, c'est moi. Où est-ce que... Stop ! Maintenant, tu dois m'écouter. Tu es parti. Tu as emmené ma fille loin de moi. Et tu l'as laissée. Elle est morte à cause de toi. Je ne veux plus jamais que tu me contactes. Ne m'appelle plus. David ! C'est de pire en pire. Ça s'étend. Je vais bientôt manquer de temps. J'ai des choses à faire, et c'est pas le bon chemin. Me retrouver sur la rive. La chanson est prête? Oui, presque. On a un super refrain. Viens sauver ton âme. Lève-toi sans un drame. Par son nom. Hé, hey, l'arbre! L'arbre! Quel arbre? Il n'y a pas d'arbre dans la chanson. Ah, qui a eu l'idée de mettre un arbre en plein milieu de la route? On n'est pas sur une route. Conduis doucement, grand-père. Ça, c'est de la conduite rock'n'roll.
Les lumières et l'unité de détention sont prêtes, Anderson. Parfait. Thor et Odin sont déjà là? Les dinosaures du rock? Ah, ils sont là et avec de l'alcool. Je les adore déjà. Faut se réparcir. Vous vous demandiez quel art on utiliserait? Eh bien, c'est eux. J'arrive tout de suite. Hé! Où est mon carillon? Je l'ai viré! C'est pas assez rock'n'roll! Hey, si, ça l'est! Suffit de savoir s'en servir! Anderson, on a mis un centre de contrôle là-haut. Surplombe la zone. Hé, Anderson, je vais envoyer du matos si t'es en rade. Je vais orienter la lumière pour toucher les possédés, histoire de vous faciliter le travail. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on était pressé et que le courant est instable. Votre équipier va tenter de le maintenir. Je suis pas un putain de mécano. On aurait besoin de votre technicien, Kiran. Ah, mon bon vieux temps, hein, vieux. Combat les forces des ténèbres avec du heavy metal. Grand-père, fais-moi signer à la fin de la chanson et j'utiliserai le rupteur pour ramener Wake. Musique! Salut, Colbrun Lake! Content de voir autant d'agents fédéraux ici ce soir. Préparez-vous pour une expérience extraordinaire, à vous en péter les méninges, pleine de magie noire et de sorcellerie. On dédie ce titre à notre auteur torturé préféré. Que ses chansons puissent le guider hors des ténèbres. Voici Dark Ocean Summoning. La honte de ton saga, vieux. Oh, mon âge. Oh, on va recommencer. Anderson, à droite.
toi, Anderson. D'autres possédés approchent. J'ai fait tout ce qu'il fallait. L'arbre pour le ramener, et le rupteur pour que ce soit vrai. Alors il est où, putain ? C'est sans fin. Comme un cauchemar dont je ne peux pas sortir. Je pensais que j'arriverais à retenir Alan dans mes photos, mais... je peux pas. Le monstre réapparaît en permanence. Toutes les nuits. Comme les vagues qui reviennent sur le rivage. Je suis si fatiguée. Il est là constamment maintenant. Il y a tellement de rage au fond de lui, je peux plus le supporter. Oh, j'ai vraiment essayé. Mais je peux plus. J'en peux plus. J'ai pris ma décision. La plupart d'entre vous ne comprendront pas. Il paraît que je suis une artiste. Mais tout ça ne m'intéresse pas. Je voulais juste montrer au monde ce que je vois. Je ne peux pas continuer comme avant. J'ai besoin de changer de perspective. De passer de photographe à sujet. De l'artiste à l'art.
Alice était morte. Grincement l'avait torturée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter, jusqu'à ce qu'elle craque. Pendant tout ce temps, elle a cru qu'il était moi. Grincement était toujours là. Il n'avait pas encore fui l'entre-noir. Il effaçait mes changements dans Return. J'avais déjà vu ça. C'était pas Grincement. C'était moi. J'étais pris dans une boucle. Je m'étais empêché moi-même de modifier le manuscrit. C'était moi qui hantais Alice. Ça l'avait toujours été. Je l'ai tué. Qui te guidera. Tes amis le découvriront quand tu ne seras plus là. On a ramené Wake de l'entre-noir avec la chanson et l'érupteur. Mais il n'est pas arrivé ici. Il a fini sur la rive après que j'ai affronté Nightingale dans l'amalgame. Hé ! Est-ce que ça va ? Ah ! Non ! C'est ma faute ! Il est sorti ! Il a ma tête ! Grincement ! La nuit où j'ai trouvé Wake ici, il est apparu. Grâce à ça, l'invocation. C'était Wake. Grincement se faisait pas passer pour Wake. C'est la même personne. Grincement ! Il est là ! Fais gaffe, Anderson ! Estevez, Grincement, c'est Wake. Il est possédé par l'ombre noire. Il veut le rupteur. Changement de plan. Je vais l'attirer dans l'unité. Quand on sera dedans, verrouillez-la et éclairez-la plein. Vraiment le regretter, Grincement. Donne-lui une leçon. Je vais prendre nos affaires, je vais vous. Je vais vous.
sens viking en toi, Gary. Oh, c'est pas Tom. Vous devez le piéger. Désolé d'annoncer la mauvaise nouvelle, les amis, mais c'est officiel. La fête du cerf est annulée. Aujourd'hui, Bright Falls est un peu plus sombre que d'habitude. Rejoindre notre prochain concert. On fait tout ça pour toi et notre saga chérie. Occupe-toi des choses de ce côté. Et merde pas, Tom. J'avais déjà tout vu. Comme un film d'horreur qu'on m'avait imposé. L'ombre noire avait toutes les cartes en main. Wake, il faut qu'on parle. Bienvenue, Wake. Vous êtes bien Wake, hein? L'ombre vous a quitté. C'est une bonne nouvelle. Mais la mauvaise, c'est que j'ai pas vu de situation aussi pourrie depuis le AM à Eagle River. L'ombre est maintenant dans Alex. Et Anderson n'est plus là. Il faut qu'on trouve un moyen d'arranger ça. Je ferai tout mon possible pour réparer ça, Jean Estevez. Tout ce qui se passe est à cause de moi. C'est jamais aussi simple. Mais j'aurais dû vous mettre dans une caisse et vous envoyer dans un centre d'isolement à la seconde où je vous ai aperçu. Je n'ai qu'une question pour vous. Est-ce que vous pouvez arranger ça? J'essaierai. Pas très encourageant, mais ça fera l'affaire. Grincement. L'ombre noire qui possède Casey a jeté Saga dans le lac. Si elle finit dans l'entre-noir, elle risque bien d'y rester. Il m'a fallu 13 ans pour en sortir. Zen y est encore. Thor et Odin l'y ont suivi, non? Ils la sauveront peut-être.
Grâce au pouvoir du rock'n'roll. Je les ai vus quand j'étais là-bas. Ils ont joué dans mon spectacle. Je me sens soudain beaucoup moins optimiste. Quelle est la situation ? Je n'ai jamais vu une entité casser une de nos unités de détention comme ça. Et maintenant, l'ombre noire a pris possession de l'agent Casey. Quand elle l'a attaqué dans les bois, elle devait savoir ce qui allait se passer. Et maintenant, il a le rupteur. Grincement va aller à Bright Falls et utiliser le rupteur pour appliquer la fin horrible qu'il a écrite pour Return. Mais je peux changer ça. Comment ? Il doit avoir le manuscrit. Si j'arrive à lire la fin, je peux la réécrire. Il faut que je retrouve Grincement. Eh bien, vous n'irez pas bien loin sans ces trucs. Ce plan est un vrai coup de poker, Wake. J'aimerais vous aider, mais tout dépend de vous. Je vous ai apporté toutes les armes qui étaient disponibles. Vous avez pas intérêt à merder. Il fallait une voiture. Le véhicule du FBI devait être sur le parking. J'étais à nouveau réveillé. J'avais l'esprit clair pour la première fois depuis longtemps. J'étais à l'endroit d'où j'étais parti. Dans une forêt sombre, près de Bright Falls. Une arme à la main, une lampe torche dans l'autre. Hanté par mes propres écrits. Alice avait disparu. Je savais ce que je devais faire. Empêcher l'histoire d'horreur de s'accomplir. Arrêter l'ombre noire.
coup. J'avais fait venir Saga Anderson dans cette histoire pour m'aider à fuir. Elle l'a fait. Et elle a tout perdu. J'avais utilisé Alex Casey dans des romans. Le vrai Casey était venu ici à cause de ça. Lui aussi était une victime. Saga, Casey, Alice, c'est moi qui donne vie à toute cette horreur. C'est de ma faute. Il fallait arrêter Grincement. J'avais déjà suivi cette route. Je la suivais depuis toujours. Grincement avait amené l'entre-noir ici. Ça m'enverrait à l'intérieur. En 2010, j'avais plongé, comme aveuglé, pour Alice. Je n'avais pas imaginé que ce cauchemar serait bien pire que la mort. Il m'avait fallu 13 ans pour en sortir. Alice était morte, à cause de moi. J'étais sur le point de refaire le grand plongeon, mais cette fois, j'en connaissais le prix. Disons ça autrement. L'entre-noir m'avait accompagné. Je n'étais jamais sorti. Peut-être qu'après ça, ce serait possible. L'espoir était mince. Mais je n'avais pas le choix, je devais le faire. Mais ça ne m'empêchait pas d'être terrifié. Eh merde. Je ne m'attendais pas à ça. Alan Wake est vraiment le meilleur conteur de cette génération. On voyait sur la photo les fenêtres de la pièce de l'écrivain. C'est là que je devais aller, pour réécrire la fin de Return. Merde. Je pourrais sortir par l'arrière. J'avais enfin le livre.
Je pouvais écrire ma fin de Return. Je devais aller dans la pièce de l'écrivain pour arrêter l'histoire d'horreur. C'était un cauchemar obsessionnel et égoïste. Tout ceci tournait autour d'un écrivain pédant et monstrueux, et de sa dernière œuvre d'art divine, le roman Return devenu vrai. Ça ne s'arrêterait pas là. Ça s'étendrait encore. Je devais trouver un autre moyen d'entrer. Alice ? C'était quoi ? Alice était morte. Était-ce un piège ? Où était-ce Monsieur Grincement ? Alan ! Alan ! Rose, c'est ça ? Du restaurant ? Que faites-vous là ? Je suis là pour vous sauver, idiot. J'ai eu vos instructions. J'ai trouvé tous les messages que vous m'avez laissés. À la radio, dans le vent, sur les forums de mon site de fan d'Alan Wake. Quoi ? Non, Rose, je vous ai laissé absolument aucun message. Je comprends. Oui, Alan, il faudrait que je sois cinglée pour penser que vous me laissez des messages secrets. Bien sûr. Mais vous devez vraiment venir à l'étage, Alan. Cette histoire s'écrira pas toute seule, vous savez. Quoi qu'en dise William Shakespeare. Oui. Merci, Rose. Je vais faire de mon mieux. Là-haut, la pièce de l'écrivain devait être au grenier. C'est là qu'étaient les fenêtres. En tournant bouclé, on se retrouve, Tom. J'ai déjà bien tout préparé pour les visiteurs. Je vais bientôt nettoyer le sol de votre chambre. Il faut seulement de l'eau et une serpillière. L'eau est le baume le plus ancien. L'eau trouve son chemin. Ce qu'elle nous apporte, elle nous le reprend. Elle peut être propre ou salie. Elle donne la vie ou la noie. Ati, je pensais pas vous croiser ici, mais c'est logique. Vous pouvez m'aider à retrouver mon chemin ? Une dernière fois ?
Je crois qu'il y a un démon dans le piège à poisson. N'ayez pas peur au point que la merde commence à envahir votre caleçon. Eh bien, je vais maintenant vous ouvrir la porte. Et voilà. J'y étais. Je devais rédiger la fin. Je n'avais qu'une seule chance d'y parvenir. Il me fallait une fin qui prenait tout ce qui était déjà dans Return et la développait en une conclusion qui nous sauverait tous. Seule une fin parfaite serait acceptable. La fin de Return était une fête du cerf perpétuel qui se propagerait. Avec le temps, Grincement plongerait le monde dans son cauchemar. Je devais empêcher que ça arrive. Je devais écrire un autre chapitre pour Return. Une fin parfaite qui nous sauverait tous. J'étais le seul à pouvoir l'écrire. Tout le reste dépendait de ça. De moi. D'une seconde à l'autre, Grincement ferait irruption par cette porte pour m'arrêter. Toutes les intrigues flottaient dans ma tête. Tout sembla soudain impossible. Une chose bougea dans la pièce. Elle venait vers moi. Une idée. Si je veux que ça marche... Si je veux que ça marche, la fin doit correspondre au genre. Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres. S'il y a un héros, il doit en général payer le prix fort. Je laisserai pas l'histoire d'horreur prendre Logan et Casey. Ils se sont fait entraîner là-dedans. Il faut qu'ils survivent. C'est non négociable. Il n'y a pas qu'eux. Il faut tenter de sauver tout le monde. Dans tous les cas, la fin devrait être sombre. Plus on sauvera de gens, plus on le paiera. Et le héros. L'équilibre doit toujours être fait. Cette fois, c'était différent. Je ne m'étais jamais vu dans une vision jusque-là. Mais ça collait. Saga et moi étions tous les deux au centre de l'intrigue. C'était maintenant ma co-autrice. C'était le commencement de la fin. Nous étions les héros d'une histoire horrifique et nous foncions tête baissée vers la fin. Nous n'avions toujours pas tout ce qu'il nous fallait. Ça ne fonctionnerait pas sans le rupteur. Bureau de terrain ? Non. C'est l'entremental. Mon travail. Je rêve. Tout a disparu. Mais qu'est-ce qui se passe, merde ? Pourquoi y a plus rien ? Je perds la tête. Je suis toute seule. Je perçois personne. Je suis coincée. Pourquoi ? Pourquoi je suis coincée ? L'ombre noire s'est emparée de Casey. Elle m'a volé le rupteur. La dernière chose dont je me souviens, c'est lui me poussant dans Cauldron Lake. Je suis dans l'entre-noir. Perdue. Je sais pas comment sortir. Je sais pas quoi faire. C'était pas moi. Pas vrai? Quoi? J'ai lâché qui? Le tableau d'enquête déraille? Je suis dans l'entre-noir, perdue. Je sais pas comment sortir. Je sais pas quoi faire.
Il est écrit, je les ai lâchés. Lâchés qui? Je les ai abandonnés. Logan, Casey, moi-même. Tout ça, c'est de ma faute. Mon enfant est morte. Un monstre a pris possession de mon partenaire. Je suis piégée dans l'entrepôt. Sans défense. Non, je suis pas si faible. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas comme ça. Casey. Casey comptait sur moi et pourtant, je l'ai lâché. J'ai pas veillé sur lui. Je me suis lancé sur la mauvaise piste. Il avait besoin de moi. Et maintenant, c'est devenu un monstre. Il avait besoin de moi. Logan. J'ai préféré mon travail à ma famille. J'étais trop passionnée par mes enquêtes et par le mystère. J'aimais le danger dans mon boulot. Et voilà que le danger a détruit toute ma famille. Et a tué ma fille. Non! Il y a vraiment quelque chose de pas net ici. J'ai une mère horrible! J'ai laissé mourir ma fille! Grincement a pris Casey, et c'est de ma putain de faute! Je suis une ratée, et je l'ai bien méritée! Wake. Ma vie, ma famille font juste partie d'un livre. Encore un putain de blambé qui décide de ce que je dois faire et comment je dois le faire. Il m'a même volé mon enfant. Je ne serai jamais libérée de cette histoire. Il s'est servi d'elle. Pas morte! Oh putain de merde! Non! Oh, j'en ai assez! Arrête jamais de revenir. Il fait noir ici. Casey a été blessé. J'aurais dû être là pour le protéger. Cette affaire. Cette pièce. Est-ce qu'elles sont réelles au moins? Zone X. Logan et David aiment cette série. Leur rituel de la semaine. J'aurais jamais dû me fier à ça. Casey se faisait envahir et moi, j'ai rien fait. Grincement était Wake. Comment j'ai pu louper ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas... Quoi? Mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui se passe?
J'ai l'impression d'être en plein cauchemar. Coincé dans une chambre d'écho avec mes peurs, mes... Sérieux ? C'était évident que les frères Koskela dirigeaient la secte. J'en ai ras-le-bol des illuminés ! J'aurais jamais dû laisser Casey tout seul dans cet hôtel. Logan. L'histoire d'horreur s'est servie d'elle. La secte n'a été que le début de la spirale. Non. Quoi ? Non. C'est pas vrai. Ça me plaît pas. Mais tout est vrai. J'avais mis toutes ces pensées de côté pour bosser sur l'enquête. Mais je peux plus les ignorer. Je me noie. Je dois m'échapper avant de sombrer. Non. Il y a forcément une issue. J'ai besoin d'une issue. Rien de tout ça n'est vrai. Je suis dingue. Je suis même pas là. Il n'y a pas d'autre mental. Une enquête sur des ténèbres. Il y a forcément une issue. J'ai besoin d'une issue. C'est fini. Inutile de lutter. Tout est terminé. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a aucune solution, aucune sortie. Je suis piégé ici pour toujours avec mon passé. Mes remords, mes erreurs. Je ne peux pas sortir d'ici. Je suis coincé. Mais c'est mon entremental, mon esprit. J'ai tout ce qu'il me faut ici. J'en suis certaine. Dans l'eau. La lumière. Non. Non. J'abandonnerai pas. L'entremental a changé. C'est bizarre. Grincement était trop fort pour nous. J'aurais dû dire à Casey de rester à l'écart. Penser à toi. Eh, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Pas la peine d'en faire tout un plat, maman. Non, pas de câlin. Pas de câlin. Eh, hey, maman, je t'ai fabriqué un bracelet porte-bonheur. Je me suis fabriqué même. Alors rapporte-moi une breloque de Washington pour la mettre dessus. D'accord? Non. Je refuse d'en dire davantage. Non !
non, non! Logan n'est pas un élément d'intrigue. C'est ma fille. Et elle n'est pas morte. Morte! Elle est morte! Il n'est pas trop tard. Je peux encore les sauver. Quoi que je fasse, ça fera souffrir les gens. Je sais pas quoi faire. J'ai peur. Mon pire ennemi, c'est moi. Les peurs qui m'habitent m'empêchent de faire quoi que ce soit. Elles m'empêchent de partir. Je suis flattée par cette récompense. Merci. Même si notre agence doit continuer de s'améliorer, notre travail ici, la protection des communautés, la quête de la vérité, sont plus importantes que tout le reste. Salut. J'appelle juste pour te dire merci. Parfois, je passe trop de temps à rêvasser, alors... Merci de me réveiller. T'es vraiment la meilleure. Je le pense. Ok. À plus. Anderson, look, after Brand left, it was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really meant a lot. Thank you. Putain! Cassie me fait confiance. J'en suis certaine. Je vais encore le lâcher. Merde, non! Non. Tout ça est réel. J'en suis sûre. Elle est complète. Le FBI va me renvoyer. Et j'aurai plus rien. C'est pas vrai! Je dois pas laisser cet endroit me déstabiliser. Je sais ce que je fais. Même pas ce que je dois faire. Je suis nulle. Victoire, Anderson. Un couteau dans le bras, c'est les risques du métier. Si tu veux en faire tout un drame, je préfère que tu t'en ailles. Mais laisse-moi le whisky. C'est normal d'avoir peur. Mais ça peut pas finir comme ça. Je peux pas. Non, non! Je veux que ça s'arrête! Baisser les bras n'arrangera rien du tout. Logan compte sur moi. Casey compte sur moi. Merde, non! Oh, je suis proche. L'entre-noir fait en sorte que je me déteste. Mais il faut juste que j'entre dans... J'ai fait des erreurs. Et j'en ferai d'autres. Mais je peux me rattraper. En commençant par quitter cette pièce. J'ai très peur. Ça va faire mal. Mais ce sera bien pire si j'essaie pas de les sauver. Ça va faire mal. Mais je vais me battre.
L'entre-noir a tenté de m'enfermer. Le seul moyen de partir, c'est de l'affronter. Wyatt parlait d'un cauchemar. Je dois plonger dans ce cauchemar pour pouvoir rentrer chez moi. On se réveille. Quoi, ma faim ? Une boîte ? Qui êtes-vous ? Agent Anderson ? C'est vraiment vous ? Désolé, cet endroit me joue des tours. Sheriff Breaker ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Comment vous avez fini dans l'entre-noir ? On m'y a jeté. Kidnappé dans la morgue par un certain Warlin Port. J'essaie de reconstituer les pièces du puzzle depuis... Ben, depuis un bail, je dirais. Je dois me rendre à Parliament Tower Plaza. Est-ce que vous savez comment je peux y aller ? Ici, c'est comme essayer de retrouver son chemin dans un rêve. J'ai essayé de faire un plan, mais il n'arrête pas de changer. On dirait que plusieurs versions du lieu se superposent. Mais il y a une page. Elle décrit Porte qui trouve son chemin dans cet endroit. J'ai tenté de faire comme lui, mais sans succès. C'est qui ce Warlin Port ? Il est là. Pas loin. Ça fait des années que je le vois dans mes rêves. Tout est complètement fou. Il est plus fort qu'il n'y paraît. Je crois qu'il est lié à tout ça. Tim, je peux voir cette page ? Bien sûr. En fait, c'est la page que j'ai tenté de vous donner à la morgue à Bright Falls. Maintenant que j'y pense, Porte m'a peut-être emmené ici pour vous empêcher de la lire. Tenez. Je vais continuer de chercher ce Porte. Plus j'approche du but, plus je me sens prêt de me réveiller. Il faut que je trouve celui qui tire les ficelles. Warlin Porte traversa les pavés glissants de pluie de Caldera Street Plaza. Il s'arrêta devant la porte du chantier. Il y avait une pub pour son émission. Il avança, souhaitant être amené à Parliament Tower Plaza. Je sais ce que je dois faire. La porte vers Parliament Tower Plaza était sur le chantier. Première fois que je vois une page sur Warlin Port. Et c'est qui ? Une porte séparant deux pièces
se trouve dans chacune. Une porte qui peut mener n'importe où et partout. Cette porte n'est autre que le centre. Il contrôle les courants de la réalité. Avec tous les pouvoirs qui sont en jeu, difficile de savoir qui se joue de qui. Ça ouvre beaucoup trop de portes. Pour l'instant, on s'en fiche. Je m'y intéresserai plus tard. La page le décrit franchissant la porte. Comment je peux faire ça ? L'antre noir a de nombreux noms et autant d'apparences. C'est un miroir qui reflète toutes les réalités possibles. La famille Porte a la capacité d'évoluer entre ces réalités, ici et ailleurs. Si j'arrive à trouver comment évoluer dans ce cauchemar, je trouverai peut-être comment rentrer chez moi. J'ai réussi. Je dois remonter sur la rue et trouver cette statue. Tu m'as laissé foyer. Ça suffit maintenant. La boîte à chaussures. Le rupteur. Oui ? Allô ? Vous ne me connaissez pas, mais vous devez m'écouter. Attendez. Comment vous saviez que le rupteur serait là ? C'est très important. Alan est perdu. Il n'a pas la fin de l'histoire. Il a besoin de vous pour la terminer. Et comment je suis censée l'aider d'ici ? Ok. Je suis dans l'entre-noir. Wake est à Washington.
déjà pu lui parler via les amalgames. Mon entre-mental est plus puissant que je ne l'aurais cru. Je peux tenter de le contacter. Alan. Faut qu'on parle de la fin de l'histoire. Saga ? Qu'est-ce que c'est ? Mon entre-mental. Je vous ai déjà contacté comme ça. Mais je comprends mieux comment marche ce lieu. Vous avez des visions aussi ? Je les prenais pour des idées, de l'inspiration, mais c'est réel, tout comme ce lieu. J'ai tenté de m'en servir pour que l'histoire prenne forme. Alors c'est nous qui produisons ça. Ça peut nous aider à communiquer dans les amalgames. Et surtout à arrêter Grincement. D'abord, il me faut une fin. Il y a un problème avec la fin ? Je n'ai pas encore de fin. Il faut qu'elle soit parfaite, mais je n'ai pas le temps de la déterminer. Je sais pas ce que je dois faire. Merde. Je suis désolé. C'est un véritable merdier. Je suis d'accord. Mais on peut encore s'en sortir. Pourquoi avez-vous dit parfaite ? Les éléments de la fin doivent provenir de parties préexistantes de l'histoire. Et pour couronner le tout, c'est une histoire horrifique. Inutile de le préciser, je l'avais remarqué. N'est-ce pas ? Si je veux que ça marche, la fin doit correspondre au genre. Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres. Il doit y avoir un moyen d'ajouter une figure héroïque. Et s'il y a un héros, il doit en général payer le prix fort. Il faut donc mériter la fin, définie par l'histoire. Impossible de monter un dossier sans preuve tangible. C'est la seule façon pour que ça tienne. Je laisserai pas l'histoire d'horreur prendre Logan et Casey. Ce sont des innocents. Il faut qu'ils survivent. C'est pas négociable. Il n'y a pas qu'eux. Il faut tenter de sauver tout le monde. J'ai peut-être une idée pour aider Casey. C'est une vraie personne que j'ai transformée en personnage. Ce n'est pas ma création, il n'est donc pas adapté pour accueillir l'ombre noire. Je peux ajouter ça à ma fin pour que cette ordure sorte de son corps. Si la fin doit correspondre à l'histoire, voilà comment je l'imagine. Return est l'histoire d'une histoire qui devient réalité. Je suis un personnage de l'intrigue. Vous êtes bien plus que ça. L'héroïne. Bon, d'accord, l'héroïne. Dans tous les cas, j'ai morflé pour venir ici. On parle de ma vie. Je crois que j'ai mérité d'aller au-delà de l'histoire pour pouvoir en créer la fin. Oui. C'est ce qu'on est en train de faire, maintenant. On essaie d'élaborer la fin que je dois écrire. Ce n'est pas celle de Grincement. Mais ce n'est pas la vôtre non plus. Cette fin, c'est la nôtre. Vous n'êtes plus le seul à décider de toute cette histoire. C'est vrai. Je ne peux pas faire ça seul. À chaque fois que j'écris, les choses dégénèrent. Vous avez vaincu cette chose en 2010, Alan. Et vous êtes là à reprendre le combat. Vous êtes un héros, vous aussi. On doit faire ça ensemble. Alors c'est parti. La fin devra être sombre. C'est important. Plus on sauvera de gens, plus on le paiera. Et le héros paiera le prix fort. Ou l'un des héros. L'équilibre doit toujours être fait. Eh merde. Allez, on fonce. Vous êtes sûr ? Le temps presse et on ne peut pas faire mieux. Grincement peut surgir à tout moment. Alors c'est notre fin. Je détiens le rupteur. Je vais me débrouiller pour vous le donner.
et je vais m'occuper de ces pages. Rendez-vous de l'autre côté. Je dois revenir sur mes pas jusqu'à Caldera Street Plaza. J'ai rejoint l'entre-noir via la fontaine. Je peux peut-être en sortir par là. On peut rejoindre Caldera Plaza par le métro. Je dois faire vite. Alan ? Saga, je l'ai terminé. La fin dont on a parlé. J'ai le rupteur et la balle de lumière. Finissons-en. C'est à moi de m'en charger. J'ai l'impression de vivre une histoire sans fin. D'accord. C'est ici qu'elle prend fin, cette obscurité. Ce qui dort sous la surface se meut. Un jeu d'ombre qui attire mon regard et plonge mon visage dans l'eau. Il est ici. Elle est terriblement glacée, sous le miroir de la surface. Je pourrais voir. Casey ? Grincement ! Vas-y ! Cette lumière crue et brûlante perça de son éclair les ombres et révéla l'horreur cachée en leur sein. En cet instant de silence, le message murmuré. Enfin entendu. Allez, qu'est-ce que t'en parles ? Allez ! Reviens ! Et s'il n'y avait rien à révéler, le jeu d'ombre nous a tous bernés. Un subterfuge pour nous soutirer un prix d'entrée. Les ténèbres n'étaient pas un monstre. Elles étaient le néant. Nous voilà bien avancés, sans réponse, sans vérité. Le héros regarde à l'intérieur. Ce qu'il voit le détruit et le délivre. Selon Saga, nous sommes tous deux des héros. J'en paierai le prix. Elle aussi. Nous sommes ici pour tuer le monstre. Je prie qu'après il n'y ait plus rien. Rien que le sommeil. C'est ainsi que l'on gagne. Est-ce trop facile ? Et si c'était toujours l'antre noir ? Un autre rêve dont il faut s'extirper. Toujours être renvoyé au commencement.
Le souvenir de ce qui s'est passé, consumé par cette abominable prise de conscience, c'est peut-être une chance d'oublier, de ne rien savoir de ces boucles qui nous ramènent à... Esta parte es para ti. Al comenzar el tormento, hablé con una organización que seguía investigando lo ocurrido en Bright Falls. Fui a sus oficinas y... allí ocurrió algo. Tras volver a casa, pude recordarlo todo. Recordé verme atrapada en ese lago. Un oscuro océano con ecos de mí misma. Mis miedos, mis fotos. Atrapada en un mar de locura, las mismas imágenes apareciendo una y otra vez. Entonces vi una luz. Tu luz. Te tiraste cuando intentabas salir. No te ahogaste. Y sigues allí buscándome. Eso es el tormento. Puedo verte porque he estado allí. Elegí volver al lado oscuro. Por eso monté esta exposición. Tenía que engañarte. Para que pudieras estar en el sitio adecuado. La única forma de escapar es destrucción o ascensión, luz u oscuridad. La destrucción la hemos visitado muchas veces. Llegamos a la ascensión poco a poco. El tiempo no vale aquí. Deberás volver a vivir el bucle, pero seguiré mostrándote las imágenes que debes ver, la luz que debes ver, hasta que estés listo. Creo que nos acercamos. C'est pas une boucle. C'est une spirale.